général refasse surface pour que chacun comprenne que c'est pas un enjeu optionnel, que ça conditionne notre avenir, notre liberté, notre économie. Les engagements de la COP ne nous permettent pas de continuer un modèle économique à l'identique. Il va falloir faire des choix, il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était un cas d'école de ce à quoi il va falloir renoncer à l'avenir. Sinon, les mots n'ont plus de sens et les objectifs n'ont plus de sens. Mais si qui que ce soit veut se prétendre dans la modernité, se prétendre comme étant un acteur du 21e siècle, ignorer ces paramètres qui sont les paramètres essentiels et cruciaux du 21e siècle, eh bien ça n'est pas faire démonstration de modernité. Car depuis 50 ans, il tire fierté de labourer toujours plus profond, persuadé que cela améliore la fertilité. Chacun tire son sillon le plus droit possible, parfaitement horizontal, bordé de murailles bien verticales et d'une profondeur constante, et ne laisse ni d'un côté ni de l'autre traîner des herbes ou du chaume. L'industrialisation de l'agriculture est alors vécue comme un grand progrès. L'arrivée des engrais et des pesticides augmente spectaculairement les rendements. La production est rationalisée en regroupant les parcelles. Et pour cela, d'énormes titans tels que bulldozers et pelles mécaniques défoncent le sol, arrachent les racines et les souches, et grâce à ces techniques ultra-modernes, les arbres qui gênaient les communications sont abattus en quelques instants. En France, le remembrement commence dans les années 60. En 20 ans, 750 000 km de haies sont arrachées, 18 fois le tour de la Terre. À l'époque, seuls quelques écologistes tirent la sonnette d'alarme. C'est étrange, le paysage de Notre-Dame-des-Landes semble avoir échappé au remembrement. Des belles haies dessinées, une plaine verdoyante, fertile, semblant naturelle, hors d'âge. Avant le remembrement, les paysans avaient pris soin de border les champs avec des haies. C'est une règle de fertilité en agroécologie. Alors voilà, on va construire un aéroport. On va couvrir tout ça de béton, d'acier, de verre. Les promoteurs, les économistes, les financiers pensent qu'on peut couvrir le travail de dizaines, voire de centaines d'années d'harmonie entre les hommes et la nature, entre le paysan et le paysage. Ils pensent que c'est naturel, c'est une question... Mais enfin, c'est le progrès, c'est la science. Puis c'est la concertation démocratique. De quelle concertation parle-t-on d'ailleurs? Ah, le référendum. Les gens ont voté pour le progrès et ils ont le miroir de leur puissance, de leur beauté, de leur éveil à la qualité de vie, du bienfait de toute science déclarée. Un aéroport tout neuf, beau, parfait, magnifique. Ils sont in, c'est vraiment des gens branchés, ils ont voté pour ça. Puis ça va faire de l'emploi, ça va développer l'économie, ça va valoriser toute la région. Puis ça va les valoriser eux-mêmes. Quand les gens viendront leur rendre visite à l'aéroport Grand Ouest, ils viendront les chercher avec leur jolie petite auto, leur jolie petite voiture. Regarde comme c'est beau, c'est chez moi. T'as vu comment j'ai la classe? Ce qu'ils oublient, c'est que cet aéroport extraordinaire qui va tant les valoriser, il a été vendu au prix de terres agricoles au départ. Peut-être à vocation constructible, grand maximum, 40 euros le mètre carré, tous ces hectares. Ensuite, ces 40 euros le mètre carré, quand le terrain passe constructible, ils sont à 400 ou 500 euros le mètre carré. Une fois construit, ils passent à 5000 euros le mètre carré, voire 6000. Puis, c'est 6000 euros le mètre carré fois le nombre d'étages de chaque bâtiment qui sera construit autour, et y compris à l'aéroport. Donc, ce partenariat public-privé, est-ce que le public va profiter de la plus-value de chaque bâtiment privé? Non, c'est pour les investisseurs du départ. Les très grandes fortunes qui ont les moyens d'investir sur de telles infrastructures. Ah, d'un coup, est-ce qu'on peut revenir en arrière un petit peu là, faire machine arrière? Bah oui, parce que ceux qui ont voté pour là, hein, qui payent leurs impôts, ils vont payer les impôts de toutes les routes qui vont mener à ce bel aéroport privé. Puis ils vont également payer le TGV, le tramway, voilà. La vérité sur ce partenariat public-privé. Un problème rencontré avec la construction du stade de Lyon. Il y avait le stade de Gerland,
À Lyon, intramuros, c'est pareil là. À l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, Grand Ouest, prévu. Il y a déjà un aéroport à Nantes, pour lequel des entrepreneurs disent que cet aéroport est très arrangeant pour les entreprises. Et pour lequel les pilotes eux-mêmes disent qu'il est loin d'être surchargé, que c'est une vue de l'esprit. Donc voilà, à tous les gens qui ont voté pour cet aéroport. La seule chose qu'ils ont gagné, c'est de payer les impôts de toutes les dessertes de cet aéroport. Comme à Lyon, pour le stade, en plein champ. Mais au-delà de ça, le fait de voter pour un tel aéroport, c'est être indifférent au poids sur la vie des paysans qui ont mis des décennies à dessiner cette plaine fertile et à la maintenir si belle. Les pro-aéroports ont gagné, au prix de l'expropriation de familles paysannes vivant à Notre-Dame-des-Landes et ouvrant au paysage, parfois même depuis 500 ans, génération après génération. Tandis qu'un collectif de pilotes et un collectif d'entreprises veulent développer l'aéroport existant à l'intérieur de Nantes. Les partisans du futur aéroport ont le sourire. Ils estiment à 3000 les emplois qui seront créés sur cette zone. 3000 comme le nombre de ballons qui sont lâchés sur le site. Les juges ont rejeté les 14 recours des opposants. Pour eux, l'occupation de la ZAD doit cesser. Les ZADistes sont dans l'illégalité complète. Complète. Dans des comportements qui sont condamnables vis-à-vis des populations, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la ville de Nantes quand il y a eu la grande manif. Donc c'est pas possible qu'il reste à cet emplacement-là. Je dis simplement que le gouvernement a montré son autorité à Sivens. Bon, c'est aussi à pouvoir assumer des positions pour que on sente bien qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui attendent ce projet. J'attends que ça se finisse et puis que l'aéroport arrive. Moi, ça ne m'apporte rien, parce que alors, je dis, j'en ai rien à faire, mais c'est pour les jeunes et puis pour ceux qui viennent derrière. Hein. À Notre-Dame, on n'a rien du tout. À Notre-Dame, on n'a qu'une usine, on n'a plus rien. Il y a juste quelques maisons qui se construisent, et puis c'est des gens qui viennent d'ailleurs qui sont que de passage. On n'a plus qu'une petite épicerie, puis il y a une boulangerie, il y a un café, c'est tout. Projet inutile répond au contraire à un collectif de 200 pilotes de ligne. Pour eux, pas besoin de construire un nouvel aéroport, il suffit d'agrandir l'aérogare existante. Nantes Atlantique a une structure qui peut absorber jusqu'à 35 à 40 avions à l'heure. Sur les grands pics saisonniers, il y a 140 ou 150 vols à la journée. Rapportés sur une tranche de 8 heures, c'est même pas 20 avions à l'heure. Donc il y a un potentiel formidable, une grande piste. Donc pour vous, pas de saturation? Pas de saturation. Non, la saturation est une vue de l'esprit. Pour ces entrepreneurs ligériens, une liste alternative lors des prochaines élections de la CCI est indispensable. Ils le disent, la position unilatérale de l'équipe en place en faveur du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a été l'élément déclencheur. Quand vous recevez un document à sens unique qui vous dit « votez si parce que c'est un équipement qu'il faut », comme s'il y avait un chef et qu'on devait absolument le suivre, ça c'est pas possible. Il faut revoir ces choses-là. Et c'est vrai que ça ne nous semble pas la priorité. Nous voulons avant tout, à travers cette liste, est une force de proposition. Les entreprises en Loire-Atlantique ne sont pas monolithiques. Ces entrepreneurs défendent de leur côté la rénovation de l'aéroport Nantes-Atlantique, une option moins coûteuse et suffisante selon eux pour répondre aux besoins du département. Notre-Dame-des-Landes, ça ne va jamais faire gagner du temps à personne. Alors que faire le tramway pour venir ici, ça fera gagner du temps à plein de gens. Améliorer la rocade, améliorer la gare, tout ça, ça fait gagner du temps, donc de l'argent à plein de gens et à plein d'entreprises. Ça, c'est des vrais problèmes. Mettons l'argent sur des trucs qui vont vraiment aider la vie des gens et la vie des entreprises. Qu'a changé le remembrement du pays à la vie paysanne? Depuis les années 60, donc arbres coupés et arrachés, facilitation des passages des machines agricoles et tracteurs outillés, emploi de l'agrochimie, optimisation des résultats productifs par les intrants chimiques, engrais et par les pesticides pour se protéger de tout nuisible gâchant la récolte. Tous ces progrès devaient emmener une meilleure production aux paysans devenus exploitants agricoles, entrepreneurs. Néanmoins, le bonheur est-il dans le pré? Les agriculteurs, pour moi, c'est pas une espèce en voie de disparition. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. En tant que simple citoyen, votez oui à la construction de cet aéroport Grand Ouest de Nantes sur les terres de Notre-Dame-des-Landes. Était-ce considérer le poids sur la vie de ces expropriations paysannes? Être paysan, avoir sa ferme, c'est un mode de vie. C'est aussi une existence sociale, mais c'est aussi un bonheur de famille. C'est aussi un sens de la vie, des savoirs, des savoir-vivre, des savoir-être.
qu'on a hérité parfois de ses parents et puis qu'on transmet à la génération suivante. C'est une vie, une existence de famille et une identité. Perdre sa ferme, c'est perdre son identité. Sur tous les plans, familial, professionnel, social, personnel et dans son histoire. Est-ce que les gens qui ont voté oui pour cet aéroport ont considéré juste quelques secondes, le temps d'une respiration, d'un battement de cœur, cette réalité? On ne vend pas 5 générations comme ça parce qu'on veut bétonner 550 hectares de terre humide. On n'est pas à vendre, donc on n'a pas de plan B. Non, on gagnera, donc on veut rester. Un hectare bétonné, c'est un hectare bétonné. Hein. On ne va pas le compenser comme ils ont prévu de faire à côté, dire on va compenser, on va faire 1 ou 2 hectares avec des petits animaux dessus, quelques agriculteurs pour agrémenter le tout, et tout le monde est content. Moi, personnellement, oui, je travaille dans les champs, parce que je fais de l'action directe ici, notamment en faisant de l'agriculture paysanne. Ici, c'est une zone en lutte et qu'il faut la défendre, quoi. La défendre physiquement contre les travaux, contre les expulsions. L'agriculture française et notamment l'agriculture bretonne connaît une crise qui n'a que peu de précédent par sa longueur et son ampleur. Est-ce que le gouvernement apporte les bonnes réponses? Je rappelle, baisse immédiate de 7 points de cotisation sociale et puis année blanche pour les plus fragiles, tous ceux qui ont dégagé de faibles revenus l'an dernier. Je dirais que c'est une fois de plus une petite avancée, mais à très très court terme, parce que ça ne règle pas le problème au fond. Donc là, en gros, on va reporter les cotisations sociales d'une année, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont effacées, elles seront repayées en 2017, 2018 ou 2019. Donc en réalité, c'est reculer pour mieux sauter. Tant qu'on ne va pas au fond du sujet, tant qu'on ne pose pas le débat sur les maîtrises des productions, qu'il n'y ait pas plus de volume produit que de volume consommé, tant qu'on ne pose pas le problème du prix vendu à la transformation ou à la distribution, c'est-à-dire en gros des coûts de production qui doivent être pris en compte, tant que ces sujets-là ne sont pas abordés, en réalité, on n'aura pas avancé d'un millimètre. Oui, mais comment résoudre le problème quand on est gouvernement français? Vous savez que ce n'est plus à Paris que se font les politiques agricoles. C'est que si on ne tape pas du poing sur la table à un moment et qu'on dit, voilà, nous on met en œuvre telle politique. C'est par exemple le cas sur l'histoire de la traçabilité de la viande dans les plats préparés. Le Parlement européen a voté ça il y a 2 ans, 3 ans maintenant. La France a dit, on va le faire. Eh bien, on le fait. Sur les coûts de production. Est-ce que c'est normal qu'en France, mais comme dans le reste de l'Europe, on puisse vendre en dessous des coûts de production? Il n'y a pas un métier qui fait ça, il n'y a que les paysans qui vendent en dessous de leurs coûts de production. Eh bien, la France doit dire, on légifère sur ça. Évidemment, Bruxelles va dire, on n'est pas d'accord. Oui. Ça va complètement... C'est pas seulement qu'on n'est pas d'accord, c'est que ça contrevient aux règles européennes. Hein, oui. Alors on fait quoi? Eh bien, on fait le bras de fer avec Bruxelles. Stéphane Le Foll, est-ce qu'il est à blâmer? Vous avez vu qu'il est la cible d'un grand nombre d'agriculteurs. Est-ce qu'il mérite tant d'indignité? Alors, moi, je connais Stéphane Le Foll. On a travaillé ensemble, on était pas côte à côte, mais pas loin, au Parlement européen, dans la Commission de l'agriculture. Stéphane Le Foll connaît les dossiers agricoles. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il est pieds et poings liés, parce qu'on ne lui donne pas les moyens d'attaquer sur la question agricole. Donc à lui d'assumer et à faire un rapport de force avec le Premier ministre et dire à François Hollande, on ne peut pas sacrifier comme ça l'agriculture. Vous pensez que c'est François Hollande et Emmanuel Valls qui lui interdisent d'engager le bras de fer que vous réclamez avec les autorités européennes? Je ne sais pas si c'est François Hollande, mais en tout cas, je ne vois pas le Premier ministre aujourd'hui. Quand il annonce uniquement les baisses de cotisations, il ne rend pas service au ministre de l'Agriculture, parce que ce n'est pas ce qu'attendent les paysans. On l'a entendu hier soir. Ce qu'ils demandent, c'est des prix rémunérateurs, pas des obols, pas des choses qui permettent de tenir 3 mois et qu'on retourne dans la crise. On ne pourra pas s'en sortir si on produit plus que ce qu'on est en capacité de consommer à l'intérieur de l'Union européenne. Alors on a 500 millions de consommateurs, c'est sur ces 500 millions de consommateurs européens qu'on doit construire une politique et pas sur d'hypothétiques marchés à l'exportation. C'est Stéphane Le Foll qui donc ira... inaugurer dans 10 jours le salon de l'agriculture à Paris, vous irez? Moi, je n'irai pas au salon de l'agriculture cette année. Non, parce que je pense que quand on a une crise telle que celle-ci, vouloir faire la vitrine et faire des beaux discours, des super vaches, des super robots de traite, voir la grande distribution, voir les fast-foods au salon de l'agriculture, ce sont ceux-là même qui tuent l'agriculture aujourd'hui dans ce pays. Et c'est eux qui vont être au cœur de ce salon. Eh bien moi, je n'irai pas, je ne mettrai pas les pieds au salon parce que je trouve que ce n'est pas correct d'être là
pour regarder ces belles choses et en même temps de voir les paysans crever à l'autre bout de la France. Et vous appelez les éleveurs à boycotter, à ne pas aller au salon ? Oh ben ça, c'est à eux de choisir. Mais moi, je leur dis ce que je vais faire. J'ai été pendant des années au salon. J'ai été représentant syndical. J'étais au salon du matin jusqu'au soir pendant toute la durée. Mais cette année, je dis, il ne faut pas aller au salon. Moi, enfin, en tout cas, moi, je n'irai pas parce que c'est indécent. On ne peut pas avoir des gens qui se suicident. On a plus de 600 suicides en agriculture en France tous les ans. Et on va faire une vitrine sur les soupeaux robots de traite, sur les nouvelles machines. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on se fiche des paysans. C'est contraire, en fait, à la résolution des problèmes.